Ce deuxième tour, nous allons nous battre pour essayer de conquérir la victoire. Je crois que nous avons une réserve de voix à gauche, et puis aussi en allant vers les abstentionnistes, qui nous permet d'espérer un résultat positif au deuxième tour, malgré un résultat de premier tour qui n'est pas exceptionnel, mais qui est dans la normalité de ce qui s'est passé à Marseille. Madame Biagi, candidate UMP, est arrivée un demi-point devant moi. Maintenant, il faut effectivement que l'ensemble des autres listes fassent corps derrière et qu'on soit le Front républicain qui fera obstacle au Front national sur ce territoire.